nous citer là, c'est des aspects néfastes de ça, nous, les loisirs. Nous pas sous-estimer que des loisirs qui sains, des loisirs qui malsains. Et des loisirs qui ont pu l'excès la donne. Mais est-ce que chrétien seulement doit enfermer col seulement là, vin l'église seulement, à l'école et puis à le travail? Parce que yo va définir loisir dans un gros livre. C'est la liberté octroyée par l'arrêt d'activité. C'est comme si une charge d'activité que m'a pas reprendre, m'a fait quotidiennement. Mais quand l'écrivé, c'est pour me prendre de toute activité pour me faire tête mon petit loisir. Je dis que c'est temps de dégager des contraintes de travail ou de responsabilité qui permettent moi pour un petit repos. Dis avec mon repos. Et il y a un mot qui est synonyme loisir que nous parlons de décompression. Je considère comme si la petite loisir décompressé. Je parle de l'aise, relaxation, vacances, répit, repos, détente, paix ou bien calme. Donc, l'église, très souvent, nous, l'église, dans le protestantisme, faut nous faire pile attention pour la religion pas retirer de la société. Parce que pendant que nous vivons, nous sommes chrétiens, mais nous dans la société à tout, c'est pas vrai? Nous dans la société à tout. Please, vous voyez ti moun, vous bien là overflow avec vous. Nous dans la société à tout. C'est la bête là aller overflow avec. Donc nous pas qu'à négliger quelque bagaille sous prétexte que nous sommes chrétiens. Et très souvent, ça fait que nous paraît arriérés, archaïques, old fashioned. Et que nous faisons les protestants gros souliers, entre guillemets. Parce que nous proposons nous spirituels, et spirituel, ça fait que nous mettons qu'on nous a distant à pas, même au point que nous pas appeler même pour un petit loisir pour tête nous. De l'église, loisir là, il est profitable pour le corps, il est profitable pour l'esprit, il est profitable à émotion nous, et il est profitable à nous. Et nous comprenons qu'est-ce que debout dit nous la loisir ou pas chrétien encore. Donc des loisirs qui sont, des loisirs qui passent. Donc une fois que l'esprit bon Dieu dans ou supposé qu'à déterminer qui type de loisir pas pour chrétien. Et une autre bagaille nous gagne comme prétexte, comme un problème. Nous comprenons que si nous prenons soin de corps, nous ne sommes pas spirituels. Nous sommes tellement spirituels, nous même négligeons le corps. C'est comme si nous sommes toujours sous l'esprit. Est-ce que l'église là avec moi là, hein? Ou est-ce que tu l'as pour l'esprit ça? Et une autre chose qui a gardé l'an sur la terre, le monde a encore plus de valeur que l'homme. C'est pas vrai? Le monde n'a pas fait l'homme avec vous. Il est pour extrême.
C'est le corps. Pourtant, nous-mêmes, les protestants, nous prenons inverse là comme extrême. Nous n'avons pas à faire corps même. C'est l'homme seulement qui est important. C'est l'église. Pas bien que l'homme formé de trois parties, pour les gens qui partisent en trichotomie, plus sont de l'activité, Allah on va faire avec. Et chaque temps, il fait ça, il disturbe moi. Et il n'y a pas de monde qui a rejoint ça pour venir là. On cherche au groupe, ça veut dire tout le monde, mais il fait bien, Allah on va faire right now. Quoi qu'il y ait trois parties, c'est qui ça est? L'homme. C'est qui ça est? L'esprit, l'âme et le corps. L'église, il n'y a pas de négliger. Mais comment ça, l'église? Le monde prend le corps, le protestant prend l'esprit. L'extrême. Et l'église, le monde comprend bien. En plus, le monde comprend que prend soin du corps, il n'est pas spirituel. L'église prend soin du corps spirituel. C'est bien. Fini. Et c'est le même garder Paul, 1 Corinthiens 6, verset 9 à 20. Paul va le présenter, ça aurait la théologie du corps. Paul a expliqué que, dans verset 9 là, il va dire, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront qui ça est? Pour rien. Donc, on tient 6, verset 9. Le royaume de Dieu, ne vous y trompez pas. C'est pas ça? Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, etc. Puis verset 11, va dire, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés. Au nom du Seigneur Jésus, Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Paul pourra dire dans verset 12, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Vous ça? Ça, ce slogan, vous comprenez que, 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 vous compr